qui m'a intéressée dans le fait de demander une avance sur recette, c'était d'aborder la tapisserie par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre qui s'interposerait entre le projet initial et le résultat, puisque je ne pourrais plus intervenir dans la réalisation. Et ça m'intéressait parce que ça posait des problèmes plastiques différents pour moi. Et puis, ça faisait appel quand même à... Enfin, ce qui m'intéressait, c'était de passer par une technique très très rigoureuse, alors que ma technique personnelle à moi, textile, était une technique dans laquelle j'avais pris beaucoup de liberté. Donc j'avais donc des problèmes différents à me poser en venant ici à Aubusson et en me soumettant à une technique très rigoureuse. Le thème de la tapisserie, c'est un thème qui m'est assez cher parce qu'elle est inspirée de la sculpture Quadrige qui est sur le Grand Palais à Paris, qui est une sculpture monumentale du début du siècle, qui est une œuvre qui m'a toujours séduit et que j'ai peint de nombreuses fois. Et sous différentes formes, je l'ai peint un peu dans toutes les situations, et c'est vraiment un thème qui m'est cher. D'ailleurs, la plupart de mes thèmes sont inspirés, enfin la plupart de mes sujets sont inspirés de détournements, soit de monuments, soit de statues existantes que je remets en situation un peu anachronique. Par exemple, je travaille actuellement sur un projet d'une décoration monumentale pour une gare SNCF à Paris, où je mets en situation divers monuments de Paris sous l'eau. C'est-à-dire que je crée c'est une station souterraine, je crée un univers sous-marin. Ce sera la gare à marée haute. Oui, j'ai des regrets vis-à-vis de cette tapisserie, c'est que j'ai l'impression que c'est simplement une image, une façade, et qu'aucun sentiment n'a percé. Pour moi, c'est une image très froide, par ailleurs très bien tissée au niveau des formes, tout est là, tout est bien respecté. Donc le regret, il est pour moi, j'ai l'impression d'avoir abandonné quelque chose dans le parcours. Et donc je dirais que si un jour je travaille à nouveau avec un atelier, il y aura beaucoup de choses à changer dans mon attitude, dans ma façon de concevoir le travail. Et il faudra que dans le projet que je présente, il y ait mes intentions qui soient inscrites. Il ne faut plus compter sur ma seule présence, mon seul travail. Je suis obligée d'inscrire mes intentions. Ça, c'est pour l'instant, pour moi, c'est encore impossible. Mais...
Oui, j'ai commencé un travail en peinture sur les jardins. Je suis très, très préoccupée par cette recherche de jardins ésotériques. Et la tapisserie, finalement, rapporte et a un rapport au temps. Et c'est ce qui m'intéresse dans la tapisserie, c'est la lenteur. Et c'est vraiment l'idée du temps qui est complètement fixe, en quelque sorte. Je pense que la tapisserie, c'est pour ça qu'elle subit un déphasage par rapport à l'œuvre contemporaine, c'est-à-dire, elle le subit, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas de notre temps, c'est-à-dire qu'elle est le symbole vraiment du temps. Et en fait, dans notre époque où tout va très très vite, où tout le monde est dans une précipitation inouïe, évidemment, elle se situe un petit peu en décalage. Et c'est ce qui fait son intérêt. C'est ce qui m'intéresse dans la tapisserie, ce décalage par rapport au temps. Je me suis intéressé, ça fait à peu près une quinzaine d'années. Puis, d'assez loin, enfin, c'était. Et depuis 4 ou 5 ans, je me suis intéressé plus particulièrement à la tapisserie. Parce que c'est un art qui est différent de un complément de la peinture qui ouvre d'autres horizons au travers de matières et à tapisserie classique. Même dans l'art contemporain, qui peut être classique niveau technique, mais ça ouvre aussi des possibilités, d'autres possibilités. Notamment dans des grandes compositions. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore travaillé dans des grandes compositions, mais je sens que. J'aimerais bien. Donc, ce qui moi m'a intéressé, c'était de trouver d'abord un entre-deux qui évite la reproduction directe d'une peinture et qui remette en chantier ou qui remette en travail toute la question et qui permette, dans le fond aussi, de tenir compte des gestes, de l'amplitude des gestes, des techniques, des habitudes, de la matérialité de la tapisserie.
Moi, il se trouve que j'ai été amenée à réaliser cette tapisserie avec un atelier d'Aubusson d'une manière un petit peu inattendue, mais en fait qui devait se faire, je pense, puisque au cours des étapes passées, il y a toujours eu un petit peu des affinités avec les textures, les trames, par le biais de la formation et des enseignements que j'ai reçus, c'est-à-dire une formation de graveur notamment. Il y a toujours eu ce travail sur la trame, le signe, l'écriture qui amène petit à petit à des références textiles. Et c'est au cours d'un séjour dans le Limousin, puisque j'ai été reçue en tant qu'artiste résident à Saint-Léonard de Noblat par le biais de la DRAC Limoges, enfin de la DRAC Limousin plutôt, et de la DRAC Languedoc-Roussillon, puisque c'est ma région. Et en présentant donc mon travail aux différentes personnes concernées, on m'a tout de suite dit, tiens, ce serait intéressant de montrer ce travail à Aubusson. Il s'est avéré que quand je suis arrivée à Aubusson, le travail en question était déjà trop textile pour Aubusson, donc n'intéressait pas Aubusson. Et on m'a suggéré quand même de présenter la bourse, donc j'ai été boursière. Et à ce moment-là, j'ai travaillé en fonction des techniques, de ce qu'on pouvait me dire par rapport aux contraintes de la technique, ce qui m'intéressait de conserver dans ces contraintes et d'adapter à mon travail, voire une simplification des formes, ce qui correspondait tout à fait aussi à la démarche de mon travail. Une espèce de recherche de vocabulaire par le biais du carton, par le biais du calque. J'agis surtout de façon intuitive. Je dirais que je fonctionne par pulsion. J'ai des moments d'enthousiasme qui sont presque incontrôlables. Et chaque fois que je fais quelque chose, c'est de la même sorte. J'ai des moments d'abattement aussi, qui sont très douloureusement ressentis par mon épouse en particulier. Mais... En fait, je crois qu'il faut être à la fois modeste et très orgueilleux. Je pense qu'il ne faut pas vouloir s'imposer à tout prix. Je pense qu'il faut travailler de façon humble. Et puis c'est le temps qui nous dira ce que l'on a fait, ce que l'on fera. Je pense que c'est évident pour moi, comme je fais une gravure, c'est une gravure, c'est pas de la peinture transcrite en gravure, quand je fais une tapisserie, c'est la même chose, c'est-à-dire que je fais un carton grandeur réelle, et je viens travailler en relation avec l'atelier ici, à Aubusson, quoi, avec le peintre cartonnier de l'atelier, etc., pour transformer ça. Mais c'est au départ pas de la peinture, de toute façon, parce que c'est travailler avec de la gouache, ou de l'aquarelle, ou de l'encre, et j'essaye d'en faire quelque chose qui soit dans la dimension de la tapisserie, ornementale, quoi. C'est pour moi plus de l'ornementation, quand même.
Je trouve que c'est plus fort, c'est plus qu'une image. Je trouve qu'il y a d'abord le travail d'un homme, d'un cartonnier, d'un peintre cartonnier, comme on dit, et puis après, il y a le travail des autres, des lissiers. Donc ça me paraît être un plus, en principe. Et puis, il y a cette matière qui est la laine, qui a un côté quand même assez extraordinaire, qui est sensuel, mystique, donc il y a un apport vraiment énorme, je trouve. Alors, c'est pas pour ça que c'est réussi, d'ailleurs. Hein. Je crois qu'il faut vraiment des bonnes volontés, du talent, de la connaissance, et que la tapisserie n'est pas un plus comme ça. Il faut vraiment lui donner beaucoup pour qu'elle vous donne un peu, peut-être, et puis beaucoup, mais après, au moment où on ne s'y attend pas, peut-être. Le fait de tisser, c'est très important pour moi. C'est-à-dire qu'à travers le tissage, j'ai l'impression de réaliser, de dire des choses que je ne dirais pas en peignant, que je ne dirais pas en dessinant. Et en même temps, c'est une grande contrainte parce que lorsqu'on dessine, lorsqu'on peint, il y a une liberté, une spontanéité qu'on ne retrouve plus du tout au tissage. Il faut commencer d'un côté, finir par l'autre, il faut prévoir beaucoup de choses. Et c'est le rapport entre les deux pratiques, ou bien d'autres pratiques, parce qu'il y a plein de choses à faire, qui m'intéresse. Je crois que je ne pourrais pas faire de carton de tapisserie sans tisser. Et puis, c'est peut-être aussi une déformation, j'ai toujours tissé. Alors, voilà. C'est-à-dire, je suis peintre, j'ai une formation peintre-graveur. J'ai travaillé essentiellement sur de la signalétique, c'est-à-dire un ensemble de vocabulaire visuel de signes qui s'est enrichi petit à petit, puis j'ai enrichi ce travail d'une gamme de couleurs qui est la même densité, qui est les mêmes rapports de force pour transmettre le même impact. Et maintenant que j'ai un travail de peintre qui est plus pictural, je suis retourné à la peinture avec cette expérience de la couleur. Sinon, mon itinéraire, ça fait déjà 2 ans que je vis en Amérique du Nord, et puis j'y suis allé là-bas pour des questions d'espace et puis pour un échange avec d'autres personnes, l'expérience d'une autre culture. Puis j'avais besoin de choses qui me marquent beaucoup plus, comme l'espace ou la présence de la nature qui était beaucoup plus forte. Ça a peut-être un rapport avec mon travail qui tourne essentiellement autour de la vache actuellement. La vache, c'est mon sujet principal parce que ça correspondait à quelque chose de terrestre, qui avait les 4 pieds sur terre, qui me rassurait. Je trouvais que c'était assez efficace et puis qu'on en avait besoin, tout simplement. Et puis, pour cette première tapisserie, j'ai fait donc une chute de vache. Et puis, c'est le début d'une série, d'un ensemble de travaux autour de ce sujet.